Donc, dans le cadre de ce projet, nous avons suivi donc un cahier des charges donc, établi par donc, notre partenaire Thales et le CEA. Suite en accord avec ce cahier des charges, nous avons défini une géométrie applicable aux matériaux donc, plastiques composites et réalisable par le procédé d'estampage sur moulage. Pour cela, donc, afin de répondre aux différentes questions d'un point de vue de sécurité en cas d'emballement thermique. Donc, nous avons fait appel à différents outils, notamment donc de l'optime topologique pour avoir une notion du design du produit, des calculs mécaniques, des calculs de déformation pour l'estampage, des analyses rhéologiques, tout en appliquant des coefficients de sécurité afin de garantir l'intégralité du produit après un emballement thermique.